Vous êtes prêts? Alors en route pour les amours du jour. Ils se sont rencontrés à une fête au Portugal, ils viennent du Luxembourg et c'est toute la France qui les regarde ce matin, Andrea et Cédric. La rencontre, c'était en saison estivale. Ils travaillaient chacun dans un hôtel différent, l'un en face de l'autre, et ils ont fini par faire chambre commune, Charline et Johan. Elle l'avait repéré dans une salle de sport et ils ont fini par muscler leur relation, Mélodie et Théo. Lui, il est fort, très fort. Le coach des amours, Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur les amours. J'aime bien regarder. Attendez, je suis arrivé tellement vite que je suis en Superman. J'adore regarder vos regards. Je peux vous dire que pour l'instant, la moins détendue sur ce plateau, c'est Charline. Ça se voit. Mais alors, ça se voit. Il y a une chanson qui dit ça. C'est le refrain d'Angèle. C'est... La fièvre dans tes yeux, oui, ça se voit. Bon, détendez-vous, ça va bien se passer. Et surtout, soyez détendus chez vous. Voici vos amours. Première manche. Mélodie, vous faites du dog-sitting. Oui. Le dog-sitting, c'est comme le baby-sitting, mais avec des chiens. Oui. Charline, vous êtes dans le tourisme, oui. Et plus particulièrement dans l'hôtellerie. Et vous, Andrea, vous êtes employée de banque. C'est ça. Ça va? Tout va bien? Mm-hmm. Première question, c'est pour vous, Andrea. À chaque fois que vous reparlez de cette histoire-là avec lui, la conversation tourne en eau de boudin. Comprenez, ça se barre en cacahuètes. De quoi s'agit-il? Ben, j'hésite entre deux. Dites-moi. La première, c'est il avait organisé une petite soirée romantique. Et ensuite, dans la partie un peu plus coquine, on va dire ça comme ça, il s'est ramené avec un boxer Superman. Donc en fait, l'effet attendu n'était pas celui-ci, donc on a rigolé. Mais bon, comme on en rigole encore aujourd'hui, je pense que je partirais que voilà, j'aime bien les baskets. Et donc, je veux vraiment en acheter plusieurs. Et c'est vrai que sur une paire de baskets, un petit peu plus déjà, on va dire de luxe, il les trouve super moches. Donc à chaque fois que je dis que je veux les acheter, c'est toujours... un combat, donc je partirai plus sur les... Blocage par rapport aux baskets. Ouais, je dirais ça. Très bien. Charline. J'hésite entre deux aussi. Dites-moi. On a fait un voyage à New York. Il m'a fait une surprise. On est allé voir le ballet de Casse-Noisette. Sauf que je ne savais pas où j'allais. Et j'avais un super pull de Noël, le pull bien moche de Noël. Je n'étais pas maquillée, rien. Il ne m'avait rien dit. Et une fois là-bas, tout le monde était en belle tenue, fourrure. Un pull de Noël, si c'est pour la période de Noël, c'est raccord. Ouais, mais non, vraiment, j'étais pas maquillée, rien. En plus, j'étais en pleurs tellement j'étais heureuse. Enfin, c'était... Ouais. La totale. Il y a eu deux casse-noisettes ce soir-là, celui de la comédie musicale et votre chérie. Donc, et moi. D'accord. Et la deuxième, ce serait le fait qu'on partait pour une expérience au Canada. Et... Ça va la vie, sinon New York, le Canada? Ouais, non, ça mais passe, on partait travailler au Canada. Et deux semaines avant. Vous partiez bosser au Canada? Ouais, pendant deux ans. Génial. Sauf que monsieur est parti en Corse avec ses parents, deux semaines avant, mais il avait emmené son passeport. Et il a oublié le passeport en Corse. Obligé de tout annuler, le billet d'avion, tout. J'étais folle. Folle. Oublié de reculer le boulot, appeler les employeurs au Canada. Tout ça pour un oubli de passeport? Tout ça pour un oubli de passeport. Ah, oui, alors qu'en Corse, on n'a pas besoin de passeport. C'est vrai, ça reste la France, évidemment. Donc j'hésite entre les deux, mais je dirais plus le passeport parce que j'étais vraiment hors vénère de moi. Ouais. Le passeport, c'est noté. Mélodie, t'as pas hésité. Il n'y a pas hésité. Au début de notre relation, on était invité par des amis à lui. Apéro sur la plage, ça va être super sympa pour rencontrer mes amis. Ils sont super cool, ils ont hâte de te voir. Sauf que, petit détail, sa dernière ex est arrivée, elle n'était pas au courant. Et bon, en robe de plage, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il n'y avait rien en dessous la robe de plage. Donc, mais comment vous saviez qu'il n'y avait rien en dessous? Parce qu'en fait, elle s'est penchée comme par hasard devant Théo. J'ai un truc dans mon sac que je ne trouve pas. Dépêche-toi parce que je vais vite te le trouver. Donc en fait, la robe était un petit peu légère, hein, robe de plage. Ouais. J'ai eu du mal à la digérer. Et dès qu'on en reparle, oui, mais je ne savais pas qu'elle était là. Oui, enfin bon, il a essayé d'arrondir. Mais comment ça se fait qu'elle était au même endroit que vous? En fait, c'est des amis communs qu'ils avaient entre eux. Mais d'accord. Les amis auraient été intelligents, ils ne l'auraient pas invité. Donc j'étais un peu mal à l'aise toute la soirée. Et ses amis sont restés vos amis ou pas? Bon, on a déménagé. Oui, voilà. Comme ça, hop, une coupure franche. Voilà, et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Lex, c'est quoi le prénom? Parce qu'elle va vous demander Carla. Si vous l'aimez bien. Carla, c'est noté. Deuxième question, Charline. Imaginez. Ce matin, en ouvrant les yeux, vous découvrez votre homme assis au bord du lit, immobile, en train de vous regarder. Votre réaction, c'est quoi?
Vous êtes coquine. Si t'es intéressée, je peux te proposer une visite guidée. Ou bien vous êtes romantique. Ton regard me fait toujours craquer. Ou bien vous êtes pas romantique. Bah quoi, Kesta ? Et le café, il est prêt le café ou pas ? Non, je suis romantique. Romantique. Ouais. Mélodie. Excitée. Excitée. Romantique aussi. Romantique également. Mm-hmm. Troisième question, Mélodie. Mon mec est clean, mais au-delà du style. Mon mec, c'est une encyclopédie gale, ce cultime. Bah ouais, mon mec est top. Entre l'intello et le beau gosse, c'est comme un porc qu'il se balade en porc. Votre mec, c'est le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent. Bref, il est parfait à un détail près. Ses goûts vestimentaires ou ses manières ou sa mère. Sa mère. Oula. Ah mais alors c'est parti direct. C'est parti direct. Ah oui. Je l'aime beaucoup, hein, Sabine. Ouais. Bisous, mais. Enfin, c'est ouais. Trop tard, hein. Là, ça y est, le message ouais. Est parti. Hein. Là, elle était assise devant sa télé, elle n'a rien demandé et elle a pris deux coups de sniper d'un seul coup. Moi, je dirais ses manières, parce que son style vestimentaire, bon, c'est moi qui fais du shopping pour lui. Sa mère, je l'aime bien, donc je pense que c'est vous l'habillez ? Ouais. Il ne peut pas s'habiller. Si, mais bon, il est. Mais pas à votre goût. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous essayez de lui faire passer les baskets que vous aimez, vous ou pas ? Ouais, c'est difficile. Hein. Ouais. D'habitude, j'arrive un peu à. Mmh. Mais là. Compliqué. Un peu compliqué, oui. Et alors, vous concernant Charline ? Sans citation, sa mère. Je suis désolée, Claire. Ouais, et vous savez quoi ? En même temps, si on fait les amours, c'est aussi pour balancer ce genre de truc. Bien. Parce que dans la vraie vie, on ne peut pas le dire. Là, il y a la télé interposée. Ouais. Après, évidemment, dimanche prochain, ouais. Le petit rôti de bœuf en famille, il va passer moyen en termes d'ambiance. Il ouais, va y avoir, voilà. Peut-être faites-le goûter à quelqu'un d'autre avant, peut-être. Mais après, c'est fait, le message ouais. Est passé. Sabine et Claire, que l'on embrasse, bien sûr, évidemment. Oh, on vous embrasse. Mélodie, Théo, vous vous êtes rencontrés de quelle façon ? En fait, je l'ai repéré à la salle de sport. Ah, je l'ai repéré. Oui. On était en chasse. Il y a des années, hein, voilà. Et il était tellement dans son truc que moi, je l'ai regardé, petit sourire, en disant, on peut peut-être... Et en fait, il m'a fusillé du regard, donc j'ai baissé la tête et je suis partie. Ouais. Quand et je suis dans détective mon sport, privé, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et uh-huh. Je l'ai retrouvé sur un site de rencontre. D'accord. Donc, bah, bouge pas mon coco. Je peux te dire que Mélodie, quand c'est quelqu'un qui veut mordre, elle lâche pas sa proie. Donc voilà, et sur le site de rencontre, je lui ai parlé et on s'est rencontrés une semaine après. Ouais. Ouais, on s'est vu un samedi soir. Il est jamais reparti. Ouais. Ah, carrément. Moi, je m'appelle Sansu. Et ça fait combien de temps que ça dure, l'histoire ? 4 ans. Magnifique. 4 ans et 2 enfants. Ouais. Super. Théo, à chaque fois que votre chérie reparle de cette histoire, vous dites « Ok, la conversation tourne en eau de boudin. De quoi s'agit-il ? » Moi, je vais dire sans hésiter. Au début de notre relation, j'ai des copains qui m'ont appelé pour prévoir une soirée. Et... Après quelques jours, j'ai une pote qui m'appelle et qui me dit « Ouais, il y a Carla, ton ex, qui va nous rejoindre. » Je dis « Ok, d'accord. » J'en ai parlé à Mélodie. Je lui dis « Bon, ça te dérange pas trop ?» Elle me dit « Non, non, c'est bon pour, je pense, me faire plaisir parce que je voulais voir mes copains. » Sauf qu'au final, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mélodie, vous nous aviez pas dit qu'il vous avait prévenu ? Non, j'ai pas souvenir qu'il m'ait prévenu. Ah si. Si, pour être gentille avec moi, elle m'a dit « Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais elle m'en a voulu à mort. Mémoire sélective, Mélodie ? Ouais, je pense, dans ces cas-là, peut-être, il m'a prévenu, mais bon, il y a 4 ans, c'est, là j'avance, mais il m'a sûrement prévenu. Oui, la vieillesse, bien sûr. J'ai préféré, en fait, oublier cette partie. Oui, oui. Des surprises. Enfin, vous n'aviez pas oublié qu'il n'y avait pas de sous-vêtements sous sa robe ? C'est elle qui avait oublié. Mélodie. Johan ! On devait partir s'installer au Canada. Sauf que moi, 2 semaines avant ce départ, j'ai eu l'idée de partir en Corse, en vacances avec ma famille, en rejoindre ma famille, avec mon passeport. On fait les vacances, je rentre à Bordeaux, tes bagages sont prêts pour partir au Canada, oui, oui, on check tout. Le passeport introuvable. Et du coup, on a dû tout annuler. J'ai bien compris, en fait, c'est la bonne réponse. Ma question, c'est pourquoi en Corse avec un passeport, puisque c'est en France ? Oui, je comprends, oui, je me demande
Oui, là, c'est, c'est la question, attention. Parce que l'histoire à l'arrivée, ça vous a coûté combien la plaisanterie là, entre les billets d'avion Je sais pas, c'est lui qui a réglé les frais. Ah ouais, les modifs et tout ça. Tabernacle. 2000 euros. Hein. Corlis, 2000 euros. Corlis. Ouais, c'est ça, ouais. Facilement. Charline, c'est la bonne réponse. Cédric. J'hésite entre deux. Dites-moi. J'hésite entre l'organisation de quelques vacances que j'ai toujours dit que je vais organiser, et après je n'organise pas, j'attends que madame organise. Mm-hmm. Et puis aussi, y a eu une fois où il y a une collègue qui a posté une photo avec moi sur les réseaux sociaux, on était déjà en couple, une photo où on était un peu collés, quoi. Mais c'était dans quel cadre? C'était à l'école, on avait fini l'école, c'était la fin des études. Elle est un petit peu jalouse? Oui, oui, elle est jalouse. Mais c'était la première crise de jalousie. Ah, ça veut dire qu'on a eu d'autres? Ouais. Oui, on a eu... je ne vais pas dire que tous les jours, mais il y en a eu d'autres, oui. Hein. Mais voilà, moi je vais dire, la situation, c'était vraiment dans la première crise de jalousie, c'était la photo sur les réseaux sociaux. Que voilà, quand on reparle de ça, oui, tu te rappelles d'elle et tout ça. Ouais, ça part en autre boudin. C'est vrai. Ouais. Eh ben, pas du tout. Ok. Ah. Ouais. Ah. Ok. Banane. Tout ça pour finir sur une paire de chaussures. C'est vrai. Ouais. Comme quoi, on a des problèmes dans la vie. Ouais. Johan, imaginez ce matin, en ouvrant les yeux, votre chérie vous découvre assis au bord du lit, immobile, en train de la regarder. Sa réaction, c'est quoi? Pas romantique, en mode, ben quoi, qu'est-ce que t'as ? Et le café, il est prêt ou pas ? Ou bien romantique, ton regard me fera toujours craquer. Ou bien coquine, si t'intéresses, je peux te proposer une visite guidée. Hein ? Ton regard me fera toujours craquer. Romantique. Ouais, je pense. Cédric. Je vais dire aussi romantique. Romantique, Andrea. Oh. Moi, je vais dire coquine. Coquine, Mélodie. Et là aussi, ça marque. Cédric, troisième question. Selon elle, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent. Bref, vous êtes parfait à un détail près. Vos manières, vos goûts vestimentaires ou votre mère? Mes manières. Vos manières. Oui. Mais vous entendez quoi, Andrea, par ces manières? Par exemple, on est dans une discussion sérieuse, ben, tout d'un coup, il vient faire, enfin, mais vraiment sérieuse, sérieuse. Et oui. Là, il vient raconter une blague en plus nulle. Il n'a rien à voir. Et il pense qu'il est rigolo, alors que pas du tout. Ou plein de petits trucs comme ça. Ou... T'as dit, c'est comme ça qu'on finit animateur de télé, Cédric. Hein, je peux pas vous prévenir. Ça arrive plus vite qu'on croit, moi, même pas deux ans. Théo. Moi, j'hésite entre les manières et ma mère. Mais je vais partir sur ma mère. C'est vrai? Ouais. Elle est très... On est très, très fusionnel et je pense qu'elle serait en trop. C'est peut-être ça qu'elle voudrait changer. Mélodie. On va procéder par élimination, hein. On va dire ma mère. Charlène ? Ouais. Un point sur les scores, les rouges, vous avez 10. Les jaunes et les bleus, vous avez 20 points. Deuxième manche dans quelques instants, ça va être à vous, messieurs, de me rejoindre au pupitre pour répondre à mes questions. Le temps pour Pascal de vous réciter ce poème qui s'appelle « Casting d'un jour, casting des amours, toujours ». Eh oui, casting toujours, Bruno. Casting facile, puisque vous pouvez le passer depuis chez vous, sans bouger, à votre domicile. Casting en visio avec votre webcam. Oui, madame, vous allez sur notre site france.tv, vous vous inscrivez et tout est expliqué. Théo, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes éducateur canin. Ouais. Donc du coup, vous bossez en parallèle avec Mélodie qui, elle, fait du dog-sitting. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle garde des chiens que vous éduquez. Non, elle accueille des chiens qui sont très souvent pas éduqués et j'éduque des personnes qui veulent faire éduquer leurs chiens mais qui viennent pas du tout chez nous. Donc d'accord. C'est très... On a rien compris. Je donne des cartes.
pour faire éduquer leur chien parce qu'ils écoutent rien à la maison. D'accord. Ils rappellent jamais. Ok, très bien. Ça leur va. C'est un, bah écoutez, c'est un bon job. En tout voilà. cas, c'est bien vendu. Johan, vous êtes conseiller de vente dans quel domaine ? Dans le mobilier. Dans le mobilier. Et vous, Cédric, vous êtes responsable d'une maison relais. C'est ça. Votre femme, que fait-elle parfois de remarquable ? Ce qu'elle fait de remarquable, c'est qu'elle arrive à voir des films et des séries au moins 30 fois d'affilée. Et aux mêmes scènes, elle pleure, elle rit, elle se cache les yeux. Sur le même film ? Sur le même film, même série. Je ne peux pas spoiler. D'accord. Donc, si je spoil, si je dis, oh, de toute façon, lui, il va mourir, bah, elle fait. Ouais, non. Même si elle le sait, qu'elle a même vu. Même si elle le sait, voilà, ça, c'est, je ne comprends pas. D'accord. Et ouais. Et y a un film qu'elle regarde plus que les autres ? Oui, c'est Taken. Ouais, c'est, oui, bon chance. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est ça. Johan ? On va dire la danse, parce qu'elle danse très bien. Donc je vais répondre la danse qu'elle fait remarquablement bien. D'accord. Mais elle le fait dans un club ou c'est vraiment elle la danse de salon ? Elle le fait en ce moment en physio. Ok. Mais elle en fait en club, que ce soit de la danse classique ou moderne. Et quand elle fait en visio, je l'admire. Vous l'admirez. D'accord, très bien. Eh bien, c'est noté. Théo ! Moi, ma femme, elle a une mémoire extraordinaire. Et c'est un incroyable talent, c'est de reconnaître les plaques d'immatriculation. C'est-à-dire qu'on va chez des potes, ils ont une voiture quelconque, noire, elle va voir le modèle, elle va voir la plaque. Et si on les croise n'importe où dans la rue, que ce soit des copains, de la famille, elle va voir la plaque d'immatriculation, elle va dire « on a croisé un tel ». On est en train de le croiser, avant même de voir qui est-ce qu'il y a au volant, elle sait à qui appartient la voiture. Elle croit à la réincarnation ou pas ? Je sais pas, mais... Dans une autre vie, c'était un radar. Peut-être. Peut-être, mais si elle pouvait faire sauter les PV, ce serait pas mal. Johan, deuxième question. En installant l'étagère que votre chérie vous réclame depuis des mois, oui. Vous vous entaillez le doigt et rapidement, le sang se met à... Ah. Votre réaction, c'est quoi ? Vous hurlez comme un putois. En disant, mais toi et tes idées à la noix. Ou alors, vous poursuivez votre chantier, rien ne peut vous arrêter. Ou bien, vous êtes blanc comme un linge. Et s'il fallait amputer ? Eh bien, pour l'avoir vécu, en voulant décapsuler une bière, vous savez, avec la... Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Avec l'épaule. Décapsuler la bière avec l'épaule ? Vous savez, on la met... Non, non, on sait pas, non. 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 Alors, je l'ai fait avec un briquet. J'ai vu des amis qui l'avaient fait avec les dents à une époque, qu'en ont plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais alors, avec une épaule, non, j'ai jamais vu. Quand on vous dit avec modération, vous voyez ? C'est ça. J'ai pas su modérer la chose, mais du coup, bah, je me suis entaillé le doigt et je me suis réveillé une heure après. Donc, alors, on part sur quoi ? Vous étiez blanc comme un linge ? Bien blanc comme un... Bien blanc comme un linge. Bien blanc comme un linge, ouais. Théo ? J'ai été couvreur avant de faire éducateur canin et je me suis pris un coup de cloueuse dans le doigt. Et on a pensé, on a mis du scotch et puis c'était reparti. Ouais, vous continuez à bosser. Moi, bon, alors dans un périmètre d'un mètre autour du doigt parce qu'il est accroché à la charpente, mais vous tournez autour, quoi. Ouais, on tourne autour, on fait ce qu'on peut. Et vous, Cédric ? Moi, je vais m'énerver un coup, je vais dire peut-être un grand mot, mais je continue. Je continue et je finis ce que j'ai commencé. Alors donc, vous hurlez comme un putois ou vous poursuivez votre chantier ? Je ne peux pas prendre les dents maintenant. Non, je poursuis le chantier. Vous poursuivez le chantier ? Oui, je poursuis. Eh bien, je poursuis l'émission. Et là, c'est le chantier de la question bonus. C'est 15 points tout à l'heure et vu que vous êtes dans un mouchoir de poche, ça peut vous permettre de vous départager. Si demain, vous deviez accueillir tous les ex de votre chérie à la maison, Théo ? Je vous laisse réfléchir. Johan est en train de noter. Là, il compte sur ses doigts. Alors, ça, très bien. Hop. Il vous faudrait un petit canapé, une grande salle à manger ou agrandir la propriété. J'aurais aimé ne pas agrandir la propriété, mais le canapé ne sera pas suffisant, je pense. Donc je vais agrandir la propriété. Il y a la grande salle à manger entre les deux. Non, j'agrandis. Vous agrandissez quand même ? Oui, oui. Combien d'ex, d'après vous ? Moi, je dirais une bonne dizaine. Ouais, 10, ça rend dans la salle à manger. Hein. Dans ce cas-là, on part à la salle à manger, alors. Non, mais après, je ne vais pas vous faire changer d'avis. Non, on va partir à la salle à manger, vous avez raison. On part sur ça. Ouais. Cédric ? Non, si on parle d'ex, un canapé suffit. Un canapé suffit. Ouais. Combien d'ex elle a eu, d'après vous, Andrea ? Allez, je pense un, deux. Un, deux, d'accord, ouais. Très bien. Moi, même un fauteuil, hein, ça irait. Ouais. Ouais. Johan ? Elle a dû en avoir entre... Je sais, une petite dizaine. Ouais. Sa loge dans la salle à manger.
Et vous savez quoi, ça évite d'agrandir la maison parce que là, les travaux en ce moment, ça coûte une blinde. C'est vrai. Mélodie, d'après votre chérie, que faites-vous parfois de remarquable? C'est un truc plutôt bizarre qui fait rire beaucoup de monde, c'est que j'ai un problème avec les plaques d'immatriculation. C'est-à-dire que je vais associer la plaque avec la voiture et la personne. Et on va se promener, et avant que on va croiser une voiture, avant qu'elle arrive, dire « Tiens, c'est un tel !» ou « Tiens, c'est un tel !» Ben, ok, du coup, ben, les gens... Oui, alors je vous confirme, dans les Avengers, c'est un pouvoir qui sert à rien, vraiment. C'est rigolo, parce que moi, du coup, j'ai le temps de faire « Coucou !» aux gens, et ouais. Ils sont comme des andouilles à passer. Bon, je la connais, mais... Ah oui, oui, parce que eux, par contre, n'ont pas le pouvoir de reconnaître votre plaque, donc non, du coup... Non. C'est, ouais. Je pense que non, je pars sur ça... Il me le fait assez remarquer, je pense que c'est ça. Mais vous avez raison, c'est complètement ça. Charline. J'hésite, je dirais que je suis quelqu'un de très organisé, contrairement à Johan. Mais... C'est gentil. Vous avez... Non, mais le truc qui est parti, ça fait partie des petits missiles qu'on reçoit dans l'émission, mais vous savez, qui est posé comme ça. Elle ne vous regarde même pas, et voilà, hop, voilà, vous l'avez. C'est gratuit. Sinon, je suis aussi gaffeuse. Donc dernièrement, une petite gaffe que j'ai faite, c'est que je fais de la danse. Et avec le confinement, on a fait de la danse en visio. Et on était mélangés, groupe, adulte, enfant. Et ben, sans couper le micro, j'ai dit à une petite fille, toi, tais-toi. Mais c'est sorti tout seul. Plus méchamment. Oui, plus méchamment. Bref, je vais le dire. Et du coup, je pense que je partirai sur le fait que je suis gaffeuse. Gaffeuse. Johan, non, il nous a parlé de la danse. C'était d'ailleurs... C'est d'ailleurs le truc qui vous trouvez, voilà, il vous trouvez remarquable par rapport à ça, sur le côté de la danse. Tu danses bien en visio, je te vois toujours danser. Oui, tu parles. Et tu danses, bah, il nous a dit qu'il vous regardait danser quand vous dansiez en visio. Maintenant, il joue à la PlayStation. Non. Un œil qui surveille la play, l'autre la danseuse. Wow. Polyvalence. Ouais. Bon, après, il peut jouer également à la Xbox ou à la Nintendo. Et bien évidemment. Sûr. Ouais, vis ma vie d'animateur. Vous imaginez, à chaque marque, à chaque fois qu'il faut que j'en trouve deux autres, quand ça tombe sur des consoles de jeux, à la rigueur, je m'en sors. Mais des fois, quand c'est des porte-clés chinois, j'en connais pas. Andrea ? Moi, je partirais sur l'organisation. L'organisation. Oui, pas forcément dans notre vie de couple, mais avec la famille, organisation de grands événements aussi, les petits jeux, tout ça. Donc l'organisation, j'aime bien que ça soit net, clair, précis, et il le sait. Oula, attention, ça fait froid quand même. Hein. On sent que la façon dont tu as dit, ça laisse peu de place non plus à l'improvisation. Hein. En tout cas, ça laisse pas de place à la bonne réponse. C'est pas ça. 30 fois la même série. C'est remarquable que tu pleures encore. Alors le film, c'est quoi? Je vais vous chercher, je vais vous trouver et je vais vous tuer. C'est ça la phrase dans Taken? Il nous a dit que c'était votre film préféré. Oh, oui, c'est l'un de mes films. Et après, préférés, il fait vrai, mais... bon chance. Ça l'est bien. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est toujours la même émotion. Bon, deuxième question, Charline. En installant l'étagère que vous lui réclamez depuis des mois, votre chérie s'entaille le doigt et rapidement, le sang se met à couler. Sa réaction, c'est quoi? Il poursuit son chantier, rien ne peut l'arrêter. Ou bien il hurle comme un putois, toi et tes idées à la noix. Ou bien il est blanc comme un linge. S'il fallait m'amputer, oh mon Dieu. La deuxième, toi et tes idées à la noix. Il hurle comme un putois. Johan ? Ouais, tes réponses à la noix. Il nous a expliqué qu'il essayait de décapsuler des bières avec l'omoplate, on n'a toujours pas compris. Hein, ah vraiment. Oui, c'est vrai. Rien. Cicatrice. Oui. Ouais, j'ouvre des boîtes de concert avec mon genou. Bah, c'est pas fait pour ça. Ça se saurait. Moi, je dirais, il continue. C'est pas trop une chaussette non plus, donc je dirais que... De toute façon, quand il a une idée dans la tête, il va jusqu'au bout, peu importe là la petite entaille. Je ne pense pas que ça l'aurait freiné. Sauf si je me trompe, mais... Cédric. T'as raison. Je suis pas une... J'hésite. Parce qu'il râle pour tout et pour rien. Donc, s'il se fait un petit peu mal, mon Dieu, voilà, vite. Mais il est tellement gentil avec moi qu'il voilà, il dira rien et il continuera de monter le meuble jusqu'au bout. Ouais. Il poursuit son chantier. Ouais. Rien ne peut l'arrêter. Nothing can stop him. Oh oui. Bon, au niveau des scores, on a quoi? On a 15 points pour les rouges, 20 points pour les jaunes et 35 points pour les bleus.
Ça va se jouer entre les jaunes et les bleus. À la question bonus, à la loyale. Elle arrive après ce message de France 2. Ce garçon n'a aucun problème de mémoire. Il est juste mort de trouille. Alors, t'as pu interroger le sans-papier hier? Ouais. Et il va comment? Mais pourquoi tu me demandes ça? Vous allez leur expliquer aux jurés ce qu'elle a enduré toute sa vie? Oui, bien sûr. Mais ce sera pas aussi efficace que d'avoir son témoignage. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je sais pas. Je voudrais vous demander de pas trop la charger au procès. Pardon? Oui, bonjour. Lucie Salama, du Midi Libre. Voilà, je vous appelle pour avoir des informations sur un brigadier de police. Si un de mes hommes a franchi la ligne rouge, je veux le savoir. Ainsi grand soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien ce soir à 20h40 sur France 2. Et déjà sur la plateforme France.tv. La question bonus. Bon, vous l'avez compris juste avant ce message de la chaîne, Cédric et Andréa, ça ne changera pas grand-chose pour vous, mais c'est quand même bien de la marquer. Vaut mieux partir avec 30 points qu'avec 15. Les gens se moqueront un peu moins de vous quand vous allez rentrer au Luxembourg. Plutôt qu'un mois de moquerie, ce sera deux semaines. Voilà. Ça va. Ça passe, ça passe. On va vivre avec des lunettes, un faux nez, des moustaches. Ça se fait, voilà. Andréa, si demain votre chérie devait accueillir tous vos ex à la maison, tous, il lui faudrait un petit canapé, une grande salle à manger ou agrandir la propriété. Une grande salle à manger. Une grande salle à manger. Oui. On est sur combien? Attention, je demande ça, ce n'est pas par indiscrétion, c'est juste pour comparer le chiffre de la personne Eric. Je ne sais pas, mais je dirais plus de 5. Je suis d'accord, très bien. Ah, ok. Cédric. Un canapé, ça ne suffit pas pour tous. Oh. Ouais. Ouais. Peut-être que c'était pas tout dit, en fait. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Charline. Une grande salle à manger. Une grande salle à manger, Johan. Ouais. Mélo. Agrandir la propriété. J'ai été gentil. Et là, je culpabilise un peu parce que au départ c'est ce qu'il a dit et après il nous a dit à la 10x une dizaine. 10x, on n'a pas à agrandir une propriété. Maintenant peut-être que vous en avez plus que 10, c'est que vous n'avez pas tout dit. Il est menteur parce qu'il me dit toujours, je sais très bien qu'avec toi on fait le tour de l'alphabet au moins une fois. Elle m'a dit non, bon, c'est bon. Voilà. Donc du coup, vous êtes induit tout seul. Et ouais. L'alphabet, ça reste 26 lettres. J'aurais pas dû vous écouter. Du coup, on va J'ai été influencé. Non, parce que à l'arrivée, il y a une égalité. Ouais. Donc tout n'est pas perdu. Vous êtes à 35 points et les jaunes et les bleus. On va donc vous départager avec cette estimation qu'on vous a demandé de faire avant de commencer l'émission. On demande aux candidats, bah tiens, juste avant la finale, d'après vous, vous allez avoir combien comme score? Et du coup, on va vous demander de sortir simultanément votre carton. Les bleus, vous aviez pronostiqué le chiffre de 30. Les jaunes avaient pronostiqué 35. Johan, Charline, vous êtes les amours du jour. Merci. Concentration. Cédric, Andréa, Théo, Mélodie, voici votre cadeau. Voyagez avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Charline, Johan, voici votre finale. Johan, vous attendez bien que Charline réponde par oui ou par non avant de donner votre réponse. Charline, Johan connaît-il top la partie la plus chatouilleuse de votre corps? Oui. Les pieds. L'odeur que vous détestez le plus? Oui. Le poisson. Votre destination de rêve pour les vacances? Oui. Saint-Barth. Votre livre préféré? Oui. Miss France. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Du thé. Votre dessin animé préféré? Oui. Total Spice. La somme que vous dépensez habituellement chez le coiffeur? Non. Votre dessert préféré? Oui. Le flan. Votre taille de jupe en chiffres? Oui. 36. Eh ben c'est bon. Voici votre cadeau. Charline et Johan, Slow Move vous accueille une semaine pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites, grand confort, au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable. Ça a déroulé, hein? Il était concentré, Johan.
Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Les amours tous les matins, 11h20, 11h20. N'hésitez pas à revenir. Vous serez bien entendu toujours les bienvenus. Prenez soin de vous.